Bonjour, en fait je vous présente aujourd'hui plusieurs petits albums. Un album Harry Potter que j'ai fait avec des chutes de papier. Je sais pas si on voit bien. Voilà, le temps des copines, poison au passage dessus, on se demande pourquoi. Ensuite, je suis pas sûre que la qualité soit excellente de la vidéo. Ici, on peut retirer des petits tags. Voilà. C'est un tuto que j'ai suivi de Béatrice Crap. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. D'accord? Bon, j'ai juste rallongé un peu la pochette pour qu'on puisse y mettre une carte. C'est l'album Zigzag. Ah, c'est tombé. Il y avait des tags là. Ils font partie. Voilà quoi. Hop, il y en avait plusieurs. Je vais mettre ça là. Voilà. Ensuite, ici, on ouvre. Il va y avoir une photo qui va pouvoir se glisser en dessous. Avec un nom. Ici, hop, on tourne. Hop, je cache les. Voilà, photo testament spécial. Ensuite, on continue. Ici, encore une photo. Bon, pas très très évident parce que comme je vais pas montrer ce qu'il y a, Harry Potter, souvenir, bien sûr la grosse dame. On aurait pu y mettre une photo. Mais bon, j'ai pensé que voilà, simplement le décor du château. Dobby avec des. Ici, une plume. Pas très 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 évident. Hop, on va fermer. Donc, la plume, voilà, ça s'ouvre. De l'autre côté. Hop, voilà. On y trouve la carte du maraudeur que j'ai fait sur internet, que j'ai vieilli et tout. Je vous mettrai le. J'essaierai de vous trouver le lien sur lequel j'avais trouvé ça. Le PDF, malheureusement, je ne peux pas vous l'envoyer par internet. Donc il va falloir que vous le trouviez. Je vais essayer de vous mettre en fonction des vidéos. Ici, j'ai simplement mis l'amitié est une âme en deux corps. Ensuite ici, pareil, moment uni, moment magique, bien sûr, entre copines, avec le petit truc ici. On retourne encore ici, on peut y mettre des photos ici. Et on aura fait le tour. Voilà, ça c'est pour le premier petit album, avec des chutes de papier, tout simplement. Je vous montre la suivante. Celui-ci, je l'ai fait d'après un tuto, je ne sais plus lequel. C'est le deuxième album. Je vous mettrai, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai suivi une dame de Stampin' Up, qui fait du Stampin' Up, et qui avait fait un tuto gratuit. Donc voilà, la vie est belle. Je l'ai fait sur le thème des animaux, puisque c'est une petite fille qui aime bien ça. Voilà. Ça, c'est une attache parisienne que j'avais trouvée à Noz. Il est aimanté. Ici, on peut y mettre soit une photo, soit un petit mot. Hop. Pareil, ici, ça sera une photo avec des renards. Moment inoubliable moment avec des petits. Pareil, sur le thème des animaux. Automnal, celui-ci. J'ai pas voulu faire les mêmes choses parce que c'est vite prise de tête. Donc, j'espère que ça va leur plaire. C'est pareil, c'est un album en zigzag aussi, celui-ci. Voilà. Ça, c'est simplement collé. Il faut juste mettre une page par-dessus. Ça sera bon. Là, c'est bon. Hop, on y va. On ferme deux côtés maintenant. Une photo ici, avec le tag. On peut y mettre ici. Pareil. Voilà. Donc, on peut y mettre pas mal de petites photos. Là, je vais essayer de trouver, enfin, j'essaie de trouver des photos pour les accompagner. Donc, c'est pour ça que j'essaie de mettre les albums avant d'y mettre les photos. Je ferme. Voilà. Simplement un papier comme celui-ci. Je vous montre le suivant. Le troisième. Celui-ci, c'est le premier d'ailleurs que j'ai fait. Un tuto de Béatrice Crap. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ici, je sais qu'elle aime
les fleurs, ce genre de choses. J'aurais trouvé, voulu trouver sur le thème des licornes, mais j'ai pas pu trouver. Donc, voici. Il s'ouvre ici. Là, on peut y glisser un tag. Là, je le mets pas tout de suite sur la chaîne. Là, on peut y mettre une photo. Et là, une autre photo. Donc, ça fait trois photos ici. Une grande, deux petites. Une photo ici. Une photo là-bas. On peut même en mettre plusieurs puisqu'on peut mettre c'est un tag. Et c'est pas fini. Puisque, au final, quand on retourne, ben, on peut encore en mettre ici. Ah, zut, zut. Hop, hop, hop. Et ici. Voilà. Donc en fait, ça donne ceci. Voilà. Et on peut le retourner tout simplement. Même chose. Donc elle verra ce qu'elle veut en faire. Je mets pas tout parce qu'il y a le jeans à côté. Je suis désolée, c'est pas terrible parce que il y a du comment dire. Il y a le jeans à la maison. On va dire ça comme ça. Et le dernier album, enfin les derniers albums. Il y en a deux identiques. Hein, donc. C'est pareil, un tuto que j'ai suivi, un petit triptyque que j'ai suivi sur internet avec le set de papier action. Là, c'est des tags qu'on bouge. Voilà. Ici, on peut y mettre des photos. Un rabat. On peut y mettre des photos. Rabat en haut. Ceux-ci sont aimantés. J'aimais bien l'histoire du cerf avec qui était au chaud. Ensuite, voilà, tout simplement. Là, c'est la petite variante qu'il y a par rapport à celui-ci. Voilà. Pareil, je vous mettrai celui-ci d'abord et ensuite celui-ci. Et ensuite, bah voilà, la petite pochette, tout simplement. Ça se ferme comme ça, c'est aimanté. Donc, voilà, puis ben, je voudrais dire merci à toutes les youtubeuses, enfin tout ça qui aident à faire que nos créations soient réussies. Il y a des moments où on n'a pas envie de se prendre la tête pour créer des albums, donc là j'ai simplement suivi des tutos. Ben, je vous dis à bientôt, puis au revoir.